Bonsoir. C'est ma présentation. Je vais parler de la route historique et touristique dans la région Île-de-France. Je choisis ce sujet parce que j'aime beaucoup faire de la randonnée. J'adore promener dans les forêts et j'adore aussi visiter des jardins et des châteaux. Donc, je vais parler de quatre routes dans la région Île-de-France. La région Île-de-France se trouve ici, dans le nord de la France. Je vais parler de quatre routes. La route historique des maisons d'écrivain, la route Normandie-Vezin, la route François Ier et le parcours des impressionnistes. La première route s'appelle la route historique des maisons d'écrivain, où 13 célèbres écrivains ont écrit des livres. On verra des grandes maisons et des agréables châteaux aussi. La route commence à Paris et finit à Rouen. La route est à côté de la rivière de Seine, où il y a des beaux paysages qui sont très calmes. Donc, Elsa Triolet a habité ici. Avec son mari qui s'appelle Aragon. Elsa est une femme d'origine russe et de parents juifs. Elsa a écrit plus de 25 livres. Maurice a habité ici, dans ce château, il a écrit des poèmes romantiques. La deuxième route s'appelle la route Normandie-Vezin, qui est similaire à la route historique des maisons d'écrivains, parce qu'elle commence à Paris et finit à Rouen. La route est aussi à côté de la rivière de Seine. La route est très longue, d'environ 200 km, où on va faire de la randonnée à côté de beaucoup de châteaux et de jardins. On peut visiter la maison et le jardin de Monet, Claude Monet, où il peignait des peintures. C'est le jardin de Claude Monet, où il y a un pont avec beaucoup de fleurs. À droite, on peut voir un château, il s'appelle le château de Jaillon. La troisième route s'appelle la route François Ier, où le roi François Ier avait des résidences. Et il a habité à côté de Paris et à côté de trois réserves uniques. Donc il habitait près de Paris, mais près de réserves uniques où il a habité très calme. Au sud-est, on peut voir le château royal de Fontainebleau, qui est le château favori de le roi François Ier. Au sud-ouest, on peut voir le château de Rambouillet, où le roi François Ier est mort. Aujourd'hui, il est utilisé comme résidence d'été de deux présidents de la République. Et finalement, la dernière route s'appelle le parcours des impressionnistes, où on peut voir des peintures. Il est à côté de Paris, dans l'île de la Jatte. On peut voir des peintures de Monet à la Grande Jatte, ou le peinture de Van Gogh à la Seine avec le pont de la Grande Jatte.
Ces peintures se trouvent dans le musée, mais on peut voir une réplique dans l'île de la Jatte. Et c'est fini, merci beaucoup.